On est tous rassemblés ici pour un tournoi en hommage à notre ami qu'on a perdu l'année dernière, Ridley Ngengue, pas son âme. Voilà, moi Ridley personnellement, ben moi j'ai connu Ridley sur ce terrain-là. Il y a des années, je devais avoir quel âge? Je devais avoir 6-7 ans. On s'est connus là, on a partagé beaucoup de moments. Voilà pourquoi cet événement me tient à cœur. Et avec mes amis, on a pris la résolution, on a pris la décision de chaque année, on lui fera un tournoi en hommage. Je suis le frère aîné de Ridley. Les mots sont simples, c'est juste vous dire à vous tous, merci. Merci. Aujourd'hui, Ridley va jouer au football, comme il a toujours fait. Il va jouer. Vous tous, vous êtes des Ridley aujourd'hui. Je vous demande de vous tourner en face comme ça, de regarder de l'autre côté du cimetière pour faire une minute de silence pour Ridley. Voilà, aujourd'hui, une journée un peu lourde en émotions, mais bonnes émotions, contrairement à il y a une année. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour célébrer, on va dire, la vie de Ridley, lui rendre un dernier hommage. Encore une fois, c'est une année après son décès. Voilà, la journée, elle est un peu à l'image de ce qu'il représentait pour nous, quoi. C'est un garçon bon qui réunissait plein de personnes autour de lui, qui était aimé de plein de personnes. Généralement, les gens oublient vite. Là, on a pas oublié, mais comme j'ai dit, on fête sa vie, quoi. On fête sa vie, c'est beaucoup plus ça, c'est rien d'autre. C'est le seul garçon que j'avais. On était vraiment très complices, hein. Je crois que sa maladie nous a beaucoup rapprochés. Même quand il avait quelque chose à me dire, c'était difficile d'aller chercher ça dans sa bouche. C'était un enfant qui ne parlait pas. Or, que je ne savais pas qu'il donnait beaucoup, beaucoup de plaisir à ses amis qui sont là aujourd'hui. Il me disait, maman, maman, n'aie pas peur, maman, maman, Dieu au contrôle, maman, n'aie pas peur de ma maladie. Ridley m'a rapproché aujourd'hui de beaucoup de jeunes. Après sa mort, je croyais franchement que Ridley est parti, ça devait être un vide en moi. Mais non, c'est pas un vide. J'ai retrouvé plein de Ridley parce que ses amis m'ont montré vraiment l'amour qu'ils avaient à Ridley. Aujourd'hui, ça fait une année qu'il est parti, mais on le sent présent parmi nous. Je rends grâce à Dieu de me l'avoir donné et de l'avoir repris. Je dis ça, c'est ses plans, c'est pas grave.